10h07 dans le matin, toute radio branchée radio Port-au-Prince pour bas information qui a passé Port-au-Prince. Eh bien, dis-moi qui j'ai population antibonitienne a fait informer sur ce qui a passé dans la ville de Saint-Marc, dans 16 autres communions et dans toute notre ville provinciale. Dis-moi, eh bien, Radio Max FM a invité nous tendre chaque matin à partir de 7h, journal sans force côté. Depuis le fait 7h dans le matin, ou bien le connaître tout ce qui a passé dans la ville de Saint-Marc, dans 16 autres communions, dans l'autre ville provinciale et dans la capitale Port-au-Prince. Journal sans force côté, 7h dans le matin. 5h après-midi à 8h à souhait sur Radio Max FM. Un journal écrit par Nixon Deneus avec une équipe solide. Michel Dany, Séjour Gérald Benson, Ronald Guériné. Journal sans force côté sur Radio Max FM. C'est un journal chaud sans force côté. Merci en pile, mettez en ordre qui c'est Paulson Henry qui a fait toute manœuvre technique. Yo. On doit faire encore remercier bon Dieu pour grâce, pour amour. Nous là pour deuxième sortie journal sans force côté. Et n'a pas encouragé ou même capitaine du journal là dans le sens ou pour réconcilier avec créateur accepter Christ dans la vie ou saisi opportunité ça puisque après la mort pas gagné possibilité et qu'on a repenti puisque tout le monde a viré d'où baou. Mais se réconcilier avec créateur ou avec la vie qui pas jamais finir non pas m'sé Nixon Denis moins salié différents collaborateurs qui en dans journal sans force côté Ronald Guériné Michel Dany Médé Junior Exantus Jean nous pral faire contact avec lui tout à l'heure puisque jodi a gon marche pacifique contre insécurité et bien habitants dans Jean Denis première section communale Sylvie Latibonite yo annoncé nous salié également Jean Robert Valier du côté des Gonaïves nous salié tout monde Gonaïves qui suivent journal ça et c'est là qui à l'étranger qui suivent nous sur Zeno Radio avec directeur programmation qui c'est Rigo Berson. Enfin, il y a un responsable communication dans mairie Saint-Marc qui c'est Didier Yacinthe qui dans cadre d'une interview li accordé à Salle Nouvelle Radio Max FM, li déclaré pendant week-end qui saute passé à et bien programme qui baptisé pour propter cité Nissage à Sagia l'avancer et bien li fait connaître son programme qu'a fait dans l'idée pour changer escamp Figueville là côté yo ramasser fatra dans différents villes Saint-Marc est-ce que la ville de Saint-Marc les réduit seulement à question ramasser fatra puisque on connaît administration qui était passé avant particulièrement administration Nicolas Dovilisla c'était pratiquement c'était ramasser fatra est-ce que commission qu'il a qui est en tête les Myriam Fièvre Jean Edner Steven et puis Jean-Robert Innocent et est-ce que c'est fatra et monsieur dame ça yo vinn ramasser seulement dans ville là habitant dans Jean-Denis première section communale Tivé la Tibonite a organisé un marche pacifique contre insécurité cap Taïbanda dans section communale ça non particulièrement dans région Vallée la Tibonite pour démarrer donc manifestation a démarré d'abord dans Carrefour Cado sur route nationale là puis on prend route puis aller villa jeudi mardi 28 juillet 2021 Jean Exantus qui s'est correspondant nous on a bien pour nous faire contact avec lui côté le fait qu'on est et bien habitant dans zone nan di au bouquet avec zam et bien côté bandi avec sans foi ni loi continuer à tailler banda à simer insécurité dans zone là il pas suspendre fait la pli et les boutons ça qui force en pile nan yo en pile habitant yo courir quitter zone là pour échapper en bas mais à tout faire ça yo qui fin rentrer la caille paysan yo et prend tout ça yo joindre yon insécurité qui gagne impact sous agriculture à côté en pile en planté yo pas arriver travail puisque même l'eau yo pas arriver joindre nan canal irrigation yo puisque au rivière pas arriver faire nettoyage nan un canal irrigation ancien député première circonscription Saint-Marc la maître Altès Toussaint li déclaré insécurité qui gagne dans pays a traduit absence l'état qui pas prend responsabilité le suivant constitution ex-parlementaire 49e législature a dit majorité institution dans pays a pas fonctionné côté même moun kap dirije yo yo pa rive prendre décision yo ta dwe prendre yo pour avancement collectivité a li indiqué ses chef l'état en tant garant bonne marche institution yo eh bien qui dwe prendre responsabilité li. Donc sous question insécurité qui gagne dans pays a gagne ancien député commune Grand Saline Joseph Wilbert Deshommes qui déclaré également avec président Jovenel Moïse dans tête pouvoir démocratie a pas avancer
Il fait qu'on ait dernière élection, dernière déclaration de préférence chef d'État, montrer qu'il voulait établir une dictature dans le pays à côté, par exemple, organiser élection pour renouveler personnel politique là chaque 2 ans suivant constitution pays à. Et puis gagner un secteur évangélique là dans ville Gonaïve qui était occupé béton hier lundi 27 juillet 2021 dans l'idée pour demander chef l'État haïtien Jovenel Moïse rentrer décret qui lui fait sortir sous nouveau code pénal là n'a bien plus précision dans développement journal ça avec collaborateur non qui c'est Jean Robert Valière. Selon ministère santé publique et population, il y a 25 nouveaux cas COVID-19 ak yon moun en plus qui mouri nan date 26 juillet 2020. Ça qui baille, il y a un total de 7344 qui confirmé, gagné 158 monde qui est déjà mort et puis gagné 4365 monde qui traité. Département pour département la Tibonite commune qui plus infecté en bas COVID-19 là, c'est toujours Semak avec un total de 141 suivi, Verrette gagne 95, Gonaïve vini avec 91, Gaumont gagne 18 cas, Tivela Tibonite Marchand des Salines, chaque côté ça yo, chaque commune ça yo gain 14 cas, Lester gain 9 cas, Saint-Michel il augmenté gain 7 cas, Dédune gain 6 cas également, gain Mamlad gain 5, Grande Saline gain 3, Henry gain 3, gain La Chapelle ak Anse Rouge tout côté ça yo gagné 2 cas de contamination. Et puis en ce qui a trait au dossier coronavirus là, puisque gain premier ministre haïtien qui c'est premier ministre de facto bien entendu qui c'est Joseph Jout, il dit que situation sous contrôle, Haïti sort de l'état d'urgence selon le premier ministre haïtien, le premier ministre de facto qui c'est Joseph Jout. Alors que le coronavirus gagne du terrain en République dominicaine et dans l'état de la Floride où il y a une forte concentration de nos compatriotes de la diaspora, le gouvernement décide de ne pas prolonger l'état d'urgence sanitaire en Haïti. Le premier ministre Joseph Ajout, qui en a fait l'annonce en exclusivité au Nouvelis lundi soir, estime que la propagation de la pandémie est plus ou moins sous contrôle dans le pays. En tout cas, le premier ministre a dit il y a un contrôle question pandémie coronavirus là, alors que en République dominicaine qui partage frontière avec nous et puis s'il a eu cap sorti dans diaspora particulièrement dans États-Unis, dans État Floride, il y a un pile cas de contamination puisque actuellement Floride il dépassé État New York, alors que le premier ministre de facto haïtien dit que il y a gagné contrôle pandémie, il n'y a pas renouvelé état d'urgence là dans pays. Il y a 57 000 nouveaux cas et près de 680 morts en 24 temps aux États-Unis. Les États-Unis ont enregistré lundi un peu plus de 57 000 nouveaux cas de contamination au coronavirus en une journée, ainsi que 679 morts supplémentaires selon le comptage de l'Université Johns Hopkins. Ce bilan journalier est légèrement inférieur à ceux enregistrés ces derniers jours. Durant 12 jours consécutifs jusqu'à dimanche, les nouvelles infections jusqu'à 24 heures ont dépassé les 60 000, dont 3 jours à plus de 70 000. Et en plus de fin de semaine dernière, le nombre de morts recensés avait dépassé la barre des 1 000 décès 4 jours de suite, ce qui n'était pas arrivé depuis fin mai. La légère baisse enregistrée dimanche et lundi pourrait être dit aux remontées des autorités sanitaires locales ralenti le week-end. Le nombre total de cas de COVID-19 diagnostiqués aux États-Unis dépasse les 4,28 millions, dont 1,32 personnes déclarées guéries. Le pays déplore plus de 147 500 morts depuis le début de la pandémie, ce qui en a fait de loin le plus endeuillé du monde. Après avoir connu une amélioration vers la fin du printemps, les États-Unis voient depuis plusieurs semaines l'épidémie repartir à la hausse, notamment dans le sud et l'ouest du pays. En tout cas, la pandémie a continué à augmenter dans le pays États-Unis. Tandis que chef gouvernement de facto haïtien qui c'est Joseph Jout dit yo
gagner contrôle situation. La fin du moratoire sur les expulsions menace des millions de personnes aux États-Unis. Aux États-Unis, où la pandémie de coronavirus ne cesse de s'amplifier, un moratoire fédéral sur les expulsions qui protège des millions de locataires a pris fin ce week-end. Des millions d'Américains qui ont perdu leur emploi à cause du COVID-19 pourraient se retrouver à la rue dans les prochaines semaines, à moins que ce moratoire ne soit prolongé, c'est dans les stating blocs. En tout cas, tout le monde aux États-Unis actuellement là, il était bayo, il y a un délai qui expiré. Donc il est capable de retrouver dans la rue puisque il y a pas gagné côté pour yo rester à cause de COVID-19 là en pile dans monde ça yo, yo perdu et travail. Une situation extrêmement difficile dans pays Tonton Sam. Voilà donc différents points ça yo nous pral garder avec un journal sans force côté, le temps pour observer pause commerciale yo Paulson pour nous parler avec différents collaborateurs pour nous garder comment cité Nissage à s'agir à l'élevé matin fondu que activité yo yo commencé reprendre yo comme à l'ordinaire puisque c'est là yo qui pral chercher la vie. Nous voulons parler de marché informel là, il commencé reprendre yo comme ça droit. Donc marchand yo toujours occupé tout trois yo malgré gros déclaration président de commission qui c'est Myriam Fièvre qui était qui a annoncé, bon jusqu'à présent qui a annoncé Napton puisque gon porte-parole de préférence gon responsable communication qui c'est Didier Hyacinthe. Nous espérons dans une prochaine édition nous va faire contact avec Didier et Hyacinthe pour nous connaître dossier ça, est-ce que ça y est et comment ça va lier, est-ce que et yo pral bail une autre image touristique à la ville de Saint-Marc Naptonin après pause commerciale. Merci en pile, mettez un autre nom qui c'est Paulson Henry qui a fait toute manœuvre en technique yo. Nous praler avec différents collaborateurs yo pour nous garder comment cité Nissage à s'agir à levé. Maintenant, entre-temps, on a demandé avec collaborateurs nous qui c'est Exantus Jean pour le faire contact avec nous maintenant. On a essayé faire contact avec lui jusqu'à présent. Nous pour capable arriver joindre monsieur puisque nous connaît un match à Pacifique habitant dans Jean Denis première section communale Tirivé la Tibonite qui ont annoncé un marche pacifique jeudi à question insécurité qui a taillé banda depuis un bon bout de temps. Insécurité ça qui gagne impact sur agriculture puisque en pile là yo pas arrivé travail, yo pas ca joindre de l'eau et canal irrigation qui t'a droit à nettoyer au DVA pas capable aller dans une série de zones puisque bandi yo yo contrôlé en pile à côté nan vallée la Tibonite. Donc yo annoncé yo pral occuper béton tout à l'heure vers les 9h suivant programmation que yo même yo établi. Y a sorti du côté de Cado pratiquement sur route nationale là pour yo prend route Villa. Donc c'est ça programmation li même li yé. Et c'est ça que correspondant nous et qui c'est Exantus Jean fait nous connaît depuis hier. Entre-temps, nous pour aller dans la rue Saint-Marc avec l'autre collaborateur nous qui c'est Michel Dani. Michel, bonjour, comment nous y est matin, qui constat que vous fait dans ville là pour nous particulièrement dans notre sud là. Bonjour Nixon, bonjour Paulson, d'après tout le technique, bonjour toute l'équipe de la Vélégation Max FM, bonjour les amis qui passent jamais rater le prétexte du lundi du vendredi. Pour aujourd'hui, pour ça que nous faisons matin là, nous remarquons qu'il y a un peu de monde dans la rue de très tôt. Donc, qui commence à évacuer avec la vidéo. Pour ça, tout, il y a des monde qui ont panié sous la tête qui dormait. Il y a pour aller chercher le mieux-être et dans le marché. Et comme étant donné que nous connaissons bien, c'est grand marché nécessaire. Donc, il y a un pile. Et camionnettes également qui sont là où ils ont cap cherché monde et cap les zones balades pour les poils dégagés dans les terres. Donc à bord des Sanixon, sur la circulation qui a fonctionné bien et bagage parfaitement bien, non bien et pour matin parce que je ne pas remarquer présence que cette circulation. Mais à bord de ça, donc gros problème dans cette circulation. Donc nous connectons dans la zone rentrée et nord, justement, et du jour au lendemain, après démission du premier mandat à l'administration de Nicolas Dombulusan, bien avant ça, donc, monsieur, tu es informant de retourner dans cette ville-là, mais jusqu'à présent, je ne vais pas jamais tourner. Est-ce que c'est levé à prendre une nouvelle commission qui est
dans cette ligne de Kiev, les potios, donc à Baronne, mais le jour où il y a une rencontre qui fait entre la mairie avec la police et la société civile, donc je pense qu'il y a va retourner et la place parce que responsable de circulation mairie, à savoir M. Yassin, il y a des faits pour nous à toute disposition pour voilà, de façon à ce que vous puissiez moi capable de tourner et chanter. Donc, bureau privé pour public, la majorité là, on commence à faire et à arrangement là pour capable pour supporter. Et pour Martin Nixon, et de ces fatras là, de ces fatras, bon, pour Christino, moi, vraiment, qui est lui, mais pas tellement je sais, pas tellement je sais, parce que nous remarquons également. Et camion la mairie et très souvent dans la rue, hein, donc pour que il a cherché ramasser et passer et pour capable de bénéficier de production, donc vous remarquez pour gasoline également et commencer par le service avec chauffeur machine avec taxi moteur pour matin. Merci Bill, bon travail, bon la journée. Collaborateur non qui c'est Michel Danine, machine information continue la prendre avec collaborateur non qui c'est Gérald Benson. Séjour, n'a pas essayé faire contact avec lui jusqu'à présent pour qu'on capable rejoindre Gérald Benson Séjour qui capable dit non qui constate qu'il fait matin dans entraîneur Ville Saint-Marc. Il semblerait qu'une gain souligne dans collaborateur non qui c'est Gérald Benson Séjour. Bonjour Benson, puisque hier nous pas de gain et on pensait que ça va t'a continuer. Bonjour Nixon, bonjour Paul Henry, bonjour Michel Dany. Et j'ai une bonne année, c'est un plaisir pour nous ensemble avec ce matin, c'est pas brillé, salut, c'est que j'ai nous salut. Et donc, je dis la mission, bon, ça va continuer, non, mais. Et nous avons une activité. Et pour la réunion, entre nos victimes, comment ça y est, la situation l'a fait normalement, le camion qui a sorti dans la vallée ou bien dans notre ville. C'est dans le nord, ancienne ville là, à l'aise pour passer à l'Éport-Prince. Et je dis à nous connaître Mathieu Lister. Gagné deux camions qui ont soit sauté Lister, mais c'est comme ce système à Lister, des machines qui peuvent aller marcher. Et nous avons Mathieu, il y a un pile de machines qui ont chargé, qui ont eu un temps, qui sont à prendre pour offrir quelque chose à un. Mais tout à vous, nous avons remarqué des camions, des camionnettes, des bus qui ont chargé dans la ville là, qui allaient dans les zones en dehors de Nixon. Et pour question de Patria Nixon, elle a l'impression que pas tellement de gens qui font nous connaître, nous voyons qu'à tel qui montait à là, qu'à tel intérimaire qui montait à là, dans le conseil intérimaire qui montait pour qui voulait écrire que ce Patria. Nous avons remarqué. Il y a deux camions Fatia qui ont ramassé Fatia dans une place là, mais ça n'a pas empêché de faire un rôle de Fatia qui le mettait encore. Et est-ce que tu as demandé pour nous faire un bon soutien avec la question et on a dit secteur commercial là, pour qu'il y ait une question ça. Puisque nous connaissons, il y a déjà mis des spots dans la rue pour nous demander pour nous pas juste Fatia dans la rue, parce que ça a dit très important. Et une Fatia qui était dans un jour, c'est Simon et l'ouverture là. Il diminue, mais il va se faire aussi là. Il a demandé avec la mairie pour faire un effort pour qu'il recule et faire ça. On est sur le monde qui est toujours marché devant BNC, la mairie, c'est toujours le même bagarre. Il y a des monde qui campent dans un salon, soit pour aller tirer l'argent ou bien pour aller faire 4 coups d'explication nationale de l'Ixon. Alors, c'est le même bagarre. Vous m'entendez, oui, nous avons posé une question sur Blocos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que. Et quand il y a un camion, on a des machines qui campent devant la prienne là. Et nous avons remarqué, il diminue. Nous avons essayé de décider à l'Amérique qui diminue, mais c'est déjà à peine exposé tout le temps. Nous avons une machine qui campe là, c'est une machine, il y a 20, mais cette carte, il diminue complètement. Bah, on est ici pendant la journée, il y a 20 métiers, mais pour le moment, il diminue. Mais on a parlé de blocos, et nous avons remarqué, et de travail qui s'est fait pendant le week-end là. Et blocos, n'a pas blocos. Et c'est vrai, la mairie qui peut faire ça, mais est-ce que c'est la mairie? Même nous qui avons marqué des camions, c'est PTC. Et nous ne pas questionner, mais nous allons dire que c'est deux conseils avec la mairie qui ont fait ça. Mais en bas, Blocos, ils ont fait un bel travail là-dedans, et peut-être faciliter la situation.
Alors, si nous retournons question machine qui stationnait pratiquement devant Myriam, on a dit que c'est des parkings. Est-ce que c'est des parkings publics ou bien des parkings privés? Ça veut dire payer pour ça? Alors, mais n'est-ce pas qu'il y a de ça pour nous connaître en réalité, est-ce qu'ils ont payé, puisque espace là, son espace public. Donc, si c'est un parking privé, donc nous va connaître, est-ce que c'est la mairie qui est touchée, qui est-ce qui t'a touché, ou bien si c'est un parking public, puisque si c'est un parking public, il avait dit que n'importe citoyen qui doit être capable de vivre un parking, mais d'autant plus qu'ils auront le au nombre de temps qu'ils n'ont pas le droit de stationner dans l'espace là. Bon, nous allons essayer de ce qu'on est, nous allons essayer. Merci en pile, bon travail. Merci, bonne journée. Voilà, donc c'est collaborateur nous qui c'est Gérald Benson Sejou. Nous allons aller avec l'autre collaborateur nous, on a demandé avec jusqu'à présent Exantus Jean du côté de Jean Denis, nous t'a aimé qu'on est matin et comment marche la marche pacifique contre insécurité à lié nous gain soulignant collaborateur nous qui c'est Ronald Kériné. Bonjour Ronald, grand plateau. Bonjour Nixon, bonjour Paulson, m'a salué tout collaborateur nous yo un peu partout et qui sont là oui hein exemple Jean jusqu'à présent vous pouvez connecter avec elle et m'espérer que je ne sais parce que l'information est très important. Moi salue tout le monde à la Ronde Badet qui branché journal sans force côté dans le SA chaque matin pour nous capable continuer informer population sous qui Jean zone yo levé et qui côté au doit prendre. Hein? Matin nous levé bonheur Nixon et comme d'habitude nous passer sous Florence Pontambour sous Piver la constat c'est que la rue hein, est plus ou moins calme puisque jusqu'à présent ou pas remarqué un pile monde dans la rue hein? Chauffeur taxi que nous voyons il a roulé très bien dans la rue hein? Ti marchand yo gen une quantité qui déjà occupé et trottoir yo pour capable régler des activités commerciales personnelles gen un pile tout qui a descend pour direction marché communal là certainement pour aller chercher la vie porter la caille hein nous passer sous pivert là nous monter et nous constater gagner deux pile fatra gagner une c'était peut-être gen de monde qui a construit ou du moins nettoyé espace de terre yo yo amusé au prend terre yo vinn déposer dans la rue oui, donc ça c'est et absence d'autorité et qui la cause ça parce que pas gagné contrôle qu'a fait pas gagné checkpoint qu'a fait dans ville là et nous monter sous pompier vers là là toujours représenté gros danger puisque de jour en jour pont ça la vienne embimé et presque chaque jour qui t'a suscité autorité pour faire un coup de jeu dans zone là pour garder dimension gravité problème là et garder qui ça t'a capoté comme solution pour permettre à ce que circulation pour protéger en quelque sorte la vie monde qui a passé dans point donc malgré les dangers que moi remarqué ça vous présenter mais ça pas empêché circulation les fêtes moto passer à côté à machine passer mais regarder et point lui représenter un gros danger donc est-ce que et nouveau cartel qui l'a qui pral alors qui l'a pour un petit bout de temps est-ce que vous pral réfléchir sous danger ça pour est-ce que il y a une intervention qui doit faite par contre mais cependant là li mandé et pour que gon intervention et autorité qui fait dans zone ça pour permettre à ce que moun yo protéger moun k'a passé surtout dans zone et puis fond dit Nixon pendant matin on t'ai constaté gayen phénomène galon jaune. Galon jaune, c'est pas pour acheter gazon, mais c'est pour acheter de l'eau. Puisque ville là, nous connaissons depuis quelques semaines là, les plongés dans un blackout de l'eau. Hein? C'est pas blackout courant, non? Blackout de l'eau, puisque mon yon va jouer de l'eau pour fonctionner. C'est plusieurs kilomètres pour parcourir pour jouer un petit galon de jaune de l'eau pour utiliser. Eh bien, mon yon levé bien bonheur, un peu le monde levé. Yon prend direction en haut, venant.
de l'eau à gagner route là, pas gagner gestion qui fait dans zone ça pour permettre que de l'eau à descendre en bas la ville pour population capable jeune de l'eau pour fonctionner. Non, mais en l'air de l'eau à ligaer dans route là, est-ce que c'est méchanceté toujours qu'a fait bon côté ensemble de monde et dans zone là, ou du moins c'est négligence totale qui gagne bon côté autorité yo et la police, la justice, ses armes, etc. Est-ce que c'est ça? Et jusqu'à présent, ces questions nous obligées et à poser. Mais entre Fondi et Nixon, et tout petit parcours ça nous fait presque toute semaine. Mais on dirait que Mounio a négligé la question pandémie coronavirus. Là, parce que moi pas remarqué, on grand monde qui utilise cachet. Moi pas remarqué, on grand monde qui utilise cachet. Bien que je dis à la constat montre clair que même dans le niveau de l'État pas gagné gestion, contrôle sur la question coronavirus. Là, donc ça, totalement et permettre à ce que Mounio yo néglige et question et coronavirus là et qui t'a supposé et mandé et de intervention qui fait puisque je dis à la il y a information qui fait qu'on est que l'école a libre à le l'ouvrir. Donc est-ce que je dis tout risque ça yo capable continuer l'été et camper et sous question coronavirus là. Je pense que Nixon nous arrive dans le bout là et nous remercions tout le monde qui t'attend de nous. On a croisé plus tard, Nixon. Merci Bill. Bon travail. Bon la journée collaborateur nous qui c'est Ronald Guérinier appel et pour directeur Sésamna qui c'est Yves Valérie Victor. Nous t'aimons bien connaître qui ça cap passer puisque ça font bon petit temps mon yo pas capable de joindre de l'eau alors que n'a parlé de COVID-19 et bon c'est vrai que premier ministre de facto dit que tout bail sous contrôle mais nous t'aimons bien connaître qui ça cap passer et autorité étatique yo dans juridiction particulièrement le chef du commissaire du gouvernement, maître Grandpierre Estimine, qu'on ait des interventions qui étaient faites du côté des moulins, la police te répond présent, gagne un vice-délégué Walter Montas, c'est pouvoir par Walter Montas, c'est gouvernement par. Donc, est-ce que nous avons offert à la population ça et image ça, je ne vous dis pas, pas capable de jouer de l'eau. Bon, et nouvelle commission qu'il a, il fait paraître pour diable. Bon, il y a pas vraiment aimé critique non puisque grand pile et critique qui a vienne joindre moi et grand pile appel qui a vienne joindre moi puisque nouvelle commission ça il y a pas vraiment aimé critique alors que la presse pas courant rentrer dans détail pour nous connaître effectivement qui ça bon bien entendu tout c'est pas un cartel qui là et c'est une commission qui est président mettait en place pour gérer et il y a pas vraiment gros mandat non mais yo il y a pas tal devant population tout faut faire précision pour zami yo donc ça qu'arrivé que yo même y a fait ça yo ka fait et si c'est fatra yo ka ramasser mais espéré que pas réduit tête seulement question fatra donc n'a demandé avec et n'a demandé avec directeur Sésamna qui c'est Hugues Valérie Victor s'il a tendez nous là fait nous signe puisque le problème là il vraiment paraît difficile ces derniers temps qui s'est passé sur le réseau a. Est-ce que c'est Mounio qui continue à saboter le réseau a et n'a parlé de l'eau Mounio besoin pour y servir jusqu'à présent il est pas capable de joindre donc nous espérons que avant journal là il fini et directeur Valérie capable faire nous signe mais entre-temps tout n'a pas essayé faire contact avec collaborateur non qui c'est Jean Exantus du côté de Jean Denis pour nous garder question marche pacifique là nous pouvons capable rejoindre monsieur et peut-être pas courant tout et Kemadrien qui s'est passé et qui s'est passé pas gain courant depuis un bon petit temps est-ce que ces problèmes gaz qui gagnaient et qui s'est passé en réalité puisque les non situation ça mon yo vienne pas vraiment y engouement pour y aller payer Bordrouillo. Donc, Kemadrien, nous t'a aimé parler avec vous, Mathieu, dans le journal, sans force côté, qui t'a fait contact avec Jean-Robert Vallière pour nous garder comment ça y est dans Ouattibonite et dans Gonaïve avec collaborateur non Jean-Robert Vallière. Est-ce qu'il est disponible, Mathieu? Et Jean-Robert Vallière, téléphone n'a occupé et quitté nous aller dans Saint-Marc et Paulson. Puisque nous connaissons gagné un programme un week-end Saint-Marc propre et qui fait presque chaque week-end, eh bien gagné un responsable communication pour le moment
c'est ça qui est lié, puisque collaborateur non qui c'est Michel Dani, t'es parlé avec responsable communication, nous voulons parler de Didier Yassette.